Bienvenue sur Team F1 TV pour cette huitième manche du championnat F1. Je suis en compagnie de Clous Coco. Comment vas-tu? Salut Seb, salut à tous. Bah écoute, ça va super et toi? Ah, ça va. Je viens en remplacement de votre commentateur préféré, Juan Max, qui est un petit peu pris par son travail. Et je le remplace pour ses commentaires en Autriche. Sûrement pour une ou deux autres vidéos, enfin on va voir selon les disponibilités de celui-ci. On se retrouve donc en Autriche pour ce championnat, dominé par Chronique encore une fois avec 140 points et toi-même 105 points, donc 35 points d'avance. Un championnat qui semble à sa portée au final. Oui, il semble à sa portée. Bah, la preuve, c'est que comme il sait qu'il domine le championnat, il peut se permettre d'être absent pour ce Grand Prix. Ouais, effectivement. Déjà, Koenig sera absent pour celui-là, au ouais. Même titre que Gaëtan, Rockstar et Mostreet. Ouais. Donc une grille assez vide. Malheureusement. Ouais, comme tu dis, hein, la Mercedes est carrément au-dessus du lot, donc c'est une petite promenade de santé pour Koenig. Ouais. Et donc au final, les prétendants à la victoire sont Narvalo et toi. Peut-être Régis aussi, même si il montre pas une grosse forme lors de cette saison 16, mais ces trois pilotes peuvent prétendre à la victoire quand même. Ouais, Régis aussi, mais Régis a eu une pénalité suite au Grand Prix de Montréal pour avoir abusé des limites de la piste. Donc, du coup, il est pénalisé, il part dernier avec, au même titre que Seb et Carlos. Très bien, très bien. On voit la météo. Météo changeante, on va faire attention aussi à ça pendant la course. Donc voilà, on va passer à la grille de qualification. Plus Coco, un petit aperçu. Alors, Johan premier devant Plus Coco, donc moi-même pour 37 millième. Eurostar 3ème, 4ème Raikou avec la Toro Rosso, 5ème Oxyd, 6ème Carlos comme on a dit, Seb 7ème et Régis dernier suite aux pénalités. Ouais. Comme tu l'as dit, grille assez vide malheureusement. En plus, après le circuit en plus c'est est propice à la bagarre. Hein. C'est un circuit assez simple. Avec des lignes droites. Ouais. C'est vraiment dommage. On se retrouve avec toi sur la grille. Deuxième position, Clous Coco. Les feux font s'éteindre. C'est parti pour cette manche en Autriche. Clous Coco qui fait un départ pas trop mal. Narvalo qui se débrouille pas trop mal. Mais attention, Clous Coco qui a failli rater son freinage et a failli harponner Narvalo. Un freinage assez tardif. Et là on voit Aerostar te passer tout simplement à l'intérieur. Hein, il a profité justement de ton freinage un petit peu olé olé, si on peut dire ça comme ça. Et on le voit donc partir deuxième, en sachant que la Williams est capable de suivre le rythme des grosses voitures étant donné son moteur. Grâce à son moteur, elle peut rivaliser en ligne droite. Par exemple, dans le deuxième secteur, là où on est, elle a un petit peu plus de mal, même si c'est pas vilain quoi. Ouais. Donc on récapitule les trois premiers. Narvalo en tête, Aerostar 2ème et Clous Coco 3ème. Oxyd 4ème, derrière toi. Bon, voilà, il est derrière toi en tout cas, 4ème avec la Force India. Il a pris l'avantage sur Raikou. Effectivement. Raikou qui a fait quand même une très belle qualif avec cette Toro Rosso 4ème, si j'ai pas de bêtises. Oui, 4ème, mais bon, après ça fait. Il y a eu Sepp qui a pas fait de qualif, il y a eu Régis, et faut pas oublier qu'il y a eu beaucoup d'absents. Donc... Oui. Ah, mais bon, 4ème place, c'est toujours bon à prendre. Et là, on voit Oxyd à la merci de Seb sur le deuxième virage de ce tracé. Ah, Seb qui va tenter l'intérieur à l'épingle. Voir accélération à l'avantage d'Oxyd. Seb toujours 5ème. La VMAX de la Force India est largement supérieure à celle de la Red Bull. Alors là, pour le coup, la Red Bull est carrément pas à son avantage hein, sur ce circuit-là, malgré un deuxième secteur plus sinueux. Voilà, qui peut lui donner un plus petit avantage par rapport aux autres, mais non, la vitesse de pointe prime sur ce circuit. Circuit le plus rapide du championnat ou non?
que ce soit, en termes de du temps autour ou sur la durée totale du Grand Prix, non, c'est pas le plus court. D'accord. Le plus court, c'est Le plus court, je crois, c'est Interlagos. Ouais, je sais pas, on n'a pas encore fait Interlagos, mais je pense pas non plus. Le plus court, je crois, c'était surtout Monza, je crois. Ouais. C'est qu'on appelle moins de temps, Monza ou... Ah, peut-être, oui, effectivement. Ouais. Et là, on voit Régis déborder Seb pour la cinquième place. Attention, voilà, Seb. Ils sont à 3. Pour le petit écart, Oxide, au freinage, Régis, côte à côte. Ouh, ah, ça touche. Attention, Régis, attention. Déjà, le début de saison est... Et vraiment pas trop à son avantage. S'il veut se faire, s'il veut se racheter un tout petit peu, vaut mieux que cette course se passe dans le calme le plus absolu. Surtout pour l'écurie Ferrari, qui est vraiment en retard par rapport à Mercedes. Hein. Là, c'est incontestable. Oui, oui, là on est bien en retard. On essaie de s'en sortir, mais bon. Ouais, bah, ça va être compliqué. Même si je pense que la tournée asiatique pourrait vous offrir quelques cartouches, ne serait-ce pour toi. En tout cas, j'espère pour vous. Attention, Régis, dans ce dernier virage. Dernier virage compliqué en descente. Et on voit qu'il y a un petit boudin à l'intérieur. Ouais, un peu dangereux quand même. Hein. Il faut éviter de prendre, sinon il envoie carrément. Ouh, attention, Seb! Excuse-moi de te couper, Seb est parti un petit peu à la dérive. J'espère qu'il a pas tapé le mur, je ne sais pas. Non, il s'est bien rattrapé. D'accord, ok. Tant pour moi, donc tu disais que le petit boudin sur le vibreur, ouais, quand tu le prends, il tombe carrément hors piste de l'autre côté. Donc, ouais. Faut vraiment ouais, bien on le l'a prendre vu. Celui-là. En plus, mais c'est un virage rapide, donc. Ouais. Troisième, quatrième, si j'ai vu, non, non. Ouais. Et là, on voit Régis prendre l'intérieur c'est tranquillement. Alors Régis qui est maintenant quatrième, voilà, qui quatrième. Est mais loin du podium, loin du podium malheureusement. Alors que là on peut voir Aerostar repasser troisième. Oui, oui effectivement tu as su le dépasser. C'est un dépassement, un vrai dépassement ou c'est simplement qu'Aerostar s'est raté dans cette affaire? Non, je crois que c'était un vrai dépassement et je crois qu'il est allé plutôt au chausse-pied. Ah. D'accord, ça te ressemble pas du tout, disons que ça c'est absolument pas. Tu sais, quand t'as une Williams en face et t'as une Ferrari ouais. En VMAX, t'as du mal donc il faut faire comme ouh, tu veux. Attention, Seb au freinage, là pareil, c'était un petit peu au chausse-pied, il a freiné le plus tardivement possible, il a même un peu coupé sur l'extérieur, mais c'est passé, mais pas pour longtemps. Oxide a su le. Nous repasser pareil au freinage, il nous refait le même coup. Et là, cette fois-ci, ça passe. Cette fois-ci, ça passe. 5ème, Seb, 15, 133. Et 6ème, Oxide. Un grand prix plutôt agréable. Un début de grand prix plutôt agréable avec quelques petits dépassements. De l'animation. C'est bien, ça change un petit peu de ce que j'ai pu commenter à Malaisie. Donc, non, c'est. C'est pas mal, malgré les 8 pilotes, le spectacle est quand même au rendez-vous pour ces 5 premiers tours. Pour l'instant, c'est un peu resserré, il ressort 4ème. Alors, il s'est passé quoi là? Il s'est passé quoi? Il est complètement ralenti. Je crois qu'il a plus d'aileron. Ouais, oui, effectivement. Oh, c'est terrible. Terrible. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a tapé un mur? Il a tapé quelqu'un? Je comprends pas là. Bah, forcément, il a forcément dû taper un mur pour perdre l'aileron. Non, peut-être une monoplace. Peut-être une monoplace. Non, on bah a, non, on voit non, Régis qui arrivait derrière et qui était loin, donc je crois qu'il s'est. C'est manqué. D'accord. On voit le ralenti au départ avec Seb. Ça s'est plus ou moins bien passé. Hein. Bon, t'as vu un petit peu sortir à l'extérieur, mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas eu trop de problèmes. Régis est resté calme. Raiko qui a fait un très bon départ. Ah, il est parti vraiment bien. Par contre, voilà, il a pris l'intérieur et au final, il se fait doubler par Aerostart, Oxide et Seb. Ah, mais il a pas la même sortie de virage que les autres. Donc... Ouais, bah oui, il est limite à l'arrêt au final. Donc ça lui joue des tours. Carlito, un ancien team F1, tout comme Raiko d'ailleurs. Attention, mais c'était chaud là. Par contre, c'était un petit. Bon, il n'y a pas eu touchette, mais c'était chaud. Faut l'avouer, Régis. Ah, derrière les
Ouais, non, c'est. Voilà, calme. Il a joué la prudence. Voilà, il a gagné une place, tranquillement. Rien à Ah, dire. de toute façon, il sait qu'après il pourra remonter facilement, donc. Oui. Et on voit ralenti, donc des restarts. Et on va voir ce que nous a Ah, les annoncé tout à dépassements. l'heure. Ouais. Ah oui, le dépassement, effectivement, sur toi. Je pensais qu'on était avec Régis, autant pour moi. Non, tour 4. Au virage 2, sur la deuxième épingle. La première, non, parce que l'autre, c'est pas vraiment une épingle, Ah hein, bah non, c'est bon, c'est. je l'avais déposé comme ça en fait. Oui, bah voilà, Ah tout bah simplement. j'ai confondu avec un autre circuit alors, l'autre course. Ah, ok, très bien. On se retrouve donc au tour 8 avec Raikou, en chasse. En chasseur, donc, et Oxyde en chassé. Oxyde un petit peu en difficulté. Les pneus, au bout de 8 tours, tenaient le coup encore, ou justement les premières. Non, je crois, non, ils tenaient bien le coup, ils avaient une bonne longévité. Ouais. Bon, Oxyde, il avait un peu de mal, je crois, aussi sur ce circuit. Il était assez relégué, assez loin par rapport à son coéquipier. D'accord. Voilà. Stratégie 1, 2, 3, 4, je vais recommencer. Stratégie de course, c'était quoi? C'est 2, 3 arrêts? 3 arrêts, 3 arrêts. 3 arrêts. Ah oui, quand même, 3 arrêts, mine de 3 arrêts. rien. D'accord. Bah, avec les pneus Pirelli, on fait souvent 3 arrêts. D'accord, comme ça, c'est clair. Voilà. Avec quelques circuits où on peut faire un peu moins. Ouais, bien sûr. Bon, pour Monaco, on pouvait tenter le 1 arrêt. Oui. Bah ça fait depuis un petit moment déjà qu'on peut tenter un arrêt. Oui. Voilà, donc. C'est de quoi je parle. Toujours Raikou, derrière Oxyde. Je le sens pas aussi à l'aise Oxyde qu'en début de course. Là, on sent il a un petit peu. Bon, il a un petit peu la pression, c'est normal, mais on sent Raikou avoir une certaine facilité à suivre une Force India avec un moteur Mercedes. Donc c'est assez étonnant de voir cette Bah, image. Raikou, il arrive justement à le suivre grâce à l'aspiration et au DRS quand il l'a. Ouais. Mais la Toro Rosso, je pense, elle peut être légèrement un peu mieux par rapport à la Force India dans les virages. Ah, d'accord, ça c'est une chose à prendre en compte. D'accord. Mais il ne faut pas D'accord, d'accord. oublier qu'il y aura la mise à jour, enfin la version B de la Force India à partir de Silverstone. D'accord, ouais. Qui va être comment? Mieux, je suppose. Oui, beaucoup mieux. C'est une vraie évolution. On voit encore ces deux pilotes au tour 9, bientôt le tour 10. Oxyde un petit peu sur le vibreur. Attention Oxyde, on sent vraiment ces petits signes de, je vais pas dire de faiblesse, mais on le sent vraiment un petit peu en difficulté. Et Raikou avec bon, certes avec l'aspiration et le DRS, on voit suivre sans trop de difficultés et on le voit prêt à bondir. À la moindre erreur, par contre, attention, c'est lui qui fait l'erreur parce qu'il a été justement un petit peu déventé, aspiré par Ah bah. cette Force India et donc il rate son freinage. Mais là, on voit quand il montre un peu l'état de ses pneus, ils sont quand même assez usés, hein. Ouais, 10 tours, ça commence à faiblir et il demande des primes. Ah, Pourquoi ça pas? Ah, peut-être trop tôt pour les mettre les primes. Je sais pas. Surtout s'il est Honnêtement, en bagarre avec Oxide, ça avec dépend ce que va Oxyde choisir Oxide dans aussi. l'anticipe. Hein. Ah, hop, il change de stratégie, il met des options maintenant. Il t'a écouté. Ouais, mais écoutez, voilà. Écoute, on écoute un champion du monde. Hein, je suis désolé, mais voilà, hein, c'est comme ça. Raikou expérimenté, mais pas champion du monde. Donc voilà, il t'écoute tout simplement. Il y a pas. 11e tour, donc toujours avec Raikou devant Oxyde. Derrière lui, Carlito qui est quand même assez loin, faut bien l'avouer. Et on voit Aerostart faire le meilleur tour en course avec des pneus un peu plus frais que les autres, hein, parce que je pense qu'il est passé au stand pour Oui. préparer son aileron. Il fait le forcing. Voilà. Ouais, Oxyde aussi, on le sent. Hein, là, on a senti que les pneus arrière commençaient à fatiguer parce qu'il est parti un petit peu en dérive. Oui, là, celui-là a récupéré tranquillement. Attention, Oxyde. Attention.
ne pas faire d'erreur parce que là sinon ça va être je vais pas dire que ça va être fatal, mais ça va être vraiment dommageable pour lui. Donc, autant garder ce top 5, autant profiter justement des absences des autres pilotes pour faire un bon résultat. Ouais, exactement. Oxide, on va regarder le classement. Tac. Ah, Oxide qui rentre au stand. Par contre. Oxide qui rentre au stand. Ah, peut-être dû le suivre, Raikou, je pense. Ouais, mais est-ce qu'il il aurait pu le suivre, justement? Telle est la question, tu vois. Je sais pas, parce que c'est quand même allé très très vite. Très très vite. Ça, c'est un coup à se prendre au final, le muret des stands, tu sais. Je sais pas qui c'est qui l'a fait dernièrement. Chez nous? Ouais, je crois, non? Y'a pas eu une histoire comme ça, là? Non. On voit Aerostart revenir sur Carlito par contre, hein. Aerostart qui fait le forcing. Attention, Carlito, ah bah voilà, il est passé. Ah, mais bon. Aerostart, il est en pneu. Oui. Option, non, mais je suis d'accord. Carlos. Et aussi, faut pas oublier que c'est une Toro Rosso contre une Williams. Hein. Ouais. Ah, ça se compare pas. Mais. Ah, voilà. Donc. Comme c'est indiqué, si vous êtes fan de sport auto autre que la F1, la chaîne Virtual Driver TV pourra sans doute vous satisfaire avec notamment un championnat Porsche Cup de toute beauté. Donc si vous voulez vraiment suivre de la simulation, n'hésitez pas à aller voir cette chaîne ô combien sympathique. Et on voit Raikou donc rentre au stand. Mais je suis juste le mec qui tient la chaîne, mais sinon c'est pas grave. Voilà. C'est... Ouais, il faut lire. Ouais, non, mais attends. Voilà, quand même. Je reste, tu vois, dans le politiquement c'est correct. Quoi, avec tu vois. Nous à commenter le Grand Prix. Ouais, voilà, ouais, bah écoute. Hein. Je suis là en net. De toute façon, je vous ai dit, s'il y a besoin, je suis là. Il n'y a pas de problème, ça me fait plaisir de commenter les courses que j'ai pu commenter au. Avant, sur le 2013 notamment, donc accompagné de Paxem. C'était notre Julien Febro à nous. Ouais, non, bah il y a quand même Juan Max, hein, tu vas. Fais gaffe parce qu'il va te faire, une crise de jalousie, ça va pas le faire, une ça. Crise, oui. Ouais, bah comme d'hab. Hein. Justement, c'est pour voir s'il tient à moi. On va voir ça. On va voir ça. Pour l'instant, et son travail l'empêche de faire. De consacrer du temps aux commentaires, donc voilà. Suivez l'actu aussi des principaux championnats francophones sur Facebook, CFFV, lien dispo dans la description comme c'est noté. Et on voit donc tour 14, Kouskoko face à Narvalo. C'est absolument pas un duel qu'on a déjà vu avant, mais pas du tout, absolument non, pas. Alors là, c'est un duel nouveau, ça. Ah, c'est tout nouveau, hein. C'est deux nouveaux pilotes, donc non mais on sent que sur la fin du relais, t'es un peu plus à l'aise que Narvalo. Hein. Il suffit de voir ces deux premiers secteurs. J'ai réussi à mieux gérer mes pneus. Attention, par contre là, un petit peu sur l'extérieur. Ah là, j'ai revu dans la zone DRS. Oui, 7 dixièmes. Bah, pour l'instant, est-ce que ça vaut le coup vraiment d'attaquer? Tu vas me dire oui, parce qu'il faut toujours attaquer, mais... autant attendre justement qu'il rentre au stand pour se calquer sur la stratégie, puis après ensuite essayer de le dépasser à la sortie des stands. Ouh, par contre, ça bloque méchamment là sur chez Narvalo. On sent quand même que les pneus commencent véritablement à être usés. Alors, on a vu des pilotes entre au stand au 12e tour. Vous êtes encore au 15e. Est-ce que c'est pas un peu tard? Bah non. Du moment que Narvalo s'est pas arrêté, c'est bon. Les pneus sont encore performants. Quand on voit mon meilleur tour, il est en 1.10.3. Au tour d'avant, j'avais fait une 11.6, je crois, donc une seconde de moins. Bon, c'est pas attention, énorme. Attention, excuse-moi de te couper, Narvalo, qui est sorti très large, hein, et là, c'est pas sur les vibreurs, c'est carrément dans l'herbe. Pression, et voilà, bon, voilà. Là, tu t'y attendais, il a voulu te le faire un petit peu à l'esbrouf, et au final, bon, bah, tu l'as suivi quand même. Arrêt au stand pour les leaders de la course, nous sommes au 15e tour, et on va voir
quels sont les mécanos les plus rapides. Ouais, moi je remets les options. 2 secondes 3 pour toi. Narvalo est donc resté en Bon, tête. sûrement pareil. Il y a une véritable différence entre les écuries? Non. Parce que je sais que, par exemple, bon, je vais être encore nostalgique, hein, mais que sur le 2013, il y avait quand même parfois des écarts. Par contre, sorti des Ah ouais? stands bien mieux négociés pour Narvalo, il y avait des différences. J'ai souvenir d'un Grand Prix de Singapour entre Raikkonen et Chronic. Raikkonen était derrière Chronic. Raikkonen était en Lotus, hein, à l'époque. Et donc il était juste derrière, et grâce à l'arrêt au stand de son équipe Lotus, et ben, il a pu dépasser Chronic dans les stands, parce que justement l'écurie Williams avait un peu tardé sur la mise en place des pneus. Donc je voulais savoir si c'était la même chose sur cet opus. Et apparemment, non. Bah après, il y a des écarts, si, quand même. Des fois, ça peut Oui, non, faire mais 2 d'accord, secondes, des 2, dégâts, de mais là voilà. je te parle en arrêt classique, quoi. Tu vois, c'est. Ah oui, justement, en arrêt classique, t'as des petits écarts. Genre, tu peux faire 2 secondes 2, 2 secondes 3, 2 secondes 4. Bon, ça peut jouer un petit peu. Mais. Je vois, je vois, je Mais bon, vois. c'est pas. Il n'y a pas des gros écarts, quoi. Ouais. Septième tour, on te voit mettre le mélange riche. Hein. Tu te dis, bon, on va peut-être attaquer. Hein. Là, pour le coup, on va essayer de le doubler. Hein. Ça serait bien une petite victoire. Notamment que. Enfin, surtout parce que t'as pas encore gagné sur cette saison-là. Comment ça se passe, Klaus? Est-ce qu'un certain chronique est trop rapide pour toi? Je sais Alors là, pas, tu un veux, pour me certain répondre à cette chronique, question, c'est ça une va être. certaine Mercedes. Ah, C'est tu une mettrais certaine pas sur Mercedes. le. D'accord, c'est pas le pilote, c'est la voiture pour toi donc. C'est surtout la voiture. D'accord. T'essaies de C'est la te. voiture qui fait tout. Ah, Parce quel que fair play. là. Bon, si, Chronic aussi, j'ai dit, il est rapide, hein, je dis pas le Oui, contraire. non, Mais mais t'as la je voiture qui apporte son petit grain, quoi. sais bien. Ouais. Son aide à elle. La Mercedes, elle est stable, elle bouge pas du cul, elle est rapide Et dans on les le lignes droites voit, comme dans les virages. et on le voit en ce début de relais, Narvalo a pris pas mal d'avance. Hein. On sent que dès que les pneus sont un peu plus frais, boum, il te remet, de l'écart entre lui et toi. Tour 26 donc, on est avec Seb. Seb qui est Je quatrième et rentre au qui stand. rentre au stand. Alors, est-ce qu'il a déjà fait un arrêt au stand là ou pas? Ouais, bah J'espère oui, que mais oui. bon, il va pas faire 26 tours en Ah, on Lotus. sait jamais. Hein. Écoute, tout voir en Malaisie, je me rappelle d'un certain Gaëtan qui avait fait qu'un seul arrêt, si je dis pas de bêtises. Hein. Bon, merde. Malgré que ça soit des médiums et des hard comme pneus, bon. Non, justement, il avait fait deux arrêts. Il a fait deux arrêts? Deux Ah arrêts oui, en et vous trois, Malaisie, en faire oui, un correct. seul. Oui, 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 oui. Oh là oh Attention! là 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 là! Seb, qu'est-ce qui s'est passé? Enfin, doucement là, Seb. Alors, il a éclaté son aileron, par contre là. Ah oui, il est resté au stand, l'aileron. D'accord, ok, bah, c'est bien. Bon, écoute, pourquoi pas. Donc là, Seb, oh oui, oh oui, oh là là. Oh, quel dommage. Ça sent la course ratée là complètement maintenant parce que il a donc le tour à finir. Bon, même s'il n'y a pas trop de virages, il va falloir quand même qu'il fasse attention. Compliqué, hein. Après ça va, il a une Red Bull, il a de l'appui. Oui, d'accord. Non, mais d'accord. C'est pas parce qu'il y a marqué Red Bull que tu vas avoir de l'appui. Hein. Quand t'as plus d'aileron avant, t'as plus d'aileron avant. Alors, par contre, il a quand même un petit peu d'avance sur Oxide. On le voit au niveau du radar. Derrière lui, ça doit être. Non, non, devant lui, c'est Aerostar. Donc, derrière lui, c'est le Trico. Attention quand même, il peut tenir la cinquième place, hein. Il peut tenir la cinquième place, mais il va falloir qu'il soit très rapide sur cette deuxième partie de course. Oui, là, sur le radar, les deux points qu'on voit, je pense que c'est plutôt Johan et moi. Ah ouais, tu penses? Ah, Voilà. vous avez déjà pris un tour à Oxide, Carlos et Raikkonen donc. On va voir, là, on va voir. Non, Ah, non, 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 c'était eux. c'était Oxide et Raikkonen, voilà. Voilà, donc t'es mauvaise langue, hein, Là où j'avais pas. Tu viens de dire que ces pilotes sont J'avais très pas très vu les lents. écarts. Ouais, non, J'avais mais pas vu voilà. les écarts. Ils n'avaient pas Ouais, marqué non, sur mais. le. Ils t'en voudront toute leur vie, tu verras. Alors, est-ce qu'il va nous faire une deuxième. Voilà, là en face, voilà, tout Ouais, de suite. d'accord, j'ai compris. Il va Voilà, faire une deuxième c'est ce que fois? j'ai dit. Non, c'est bon.
Ouais, non, que maintenant, mais ils ont pas doublé aussi des Mirako, tu vois, donc t'es mauvaise langue, c'est bien ce que je dis. On est pas loin d'eux. Ah, vous êtes pas loin, mais vous l'avez pas encore passé, je suis désolé. Tour 30, Flouscoco au deuxième, toujours devant lui, Narvalo, troisième Régis qu'on ne voit pas de la course. Quoique, derrière lui c'est qui? Non, c'est question. Pas Régis. C'est pas Régis? Je vois pas dans le rétroviseur. Ça doit être Seb à mon avis donc. Sûrement. Sûrement oui. Ah, parce que nous nos gommes elles ont, ils ont déjà 15 tours, lui et ses gommes sont neuves. Ouais. Donc forcément il est un petit peu plus... dans les mêmes temps que nous. Ouais, bien sûr. Il arrive. Puis avec l'aspiration aussi un petit peu, je pense, il arrive à suivre quoi aussi. Hein. C'est un peu le même phénomène entre Oxide et Raikou, c'est un peu la même chose. On voit d'ailleurs Oxide et Raikou sur le radar se tirer là-bas encore une fois. Hein. Bah c'est bien. C'est bien qu'il soit sur la bourre. Bah oui, ça change. C'est bien. Là au moins on a de l'action, on a de la... Là. Pas comme là où t'es à plus d'une seconde de Narvalo, tu t'essayes même pas de le doubler d'ici, c'est nul, je suis nul. Alors on voit Narvalo rentrer au stand, 30ème tour, tout simplement 15 tours les pneus, hein. On peut dire ça maintenant, ouais. 15 tours les pneus options. Est-ce qu'il va tenter... par contre t'as été surpris ou tu l'as pas suivi, t'as fait exprès de pas le suivre? En fait là après moi j'avais une... peu décalé la stratégie, je me suis dit si je rentre un peu plus tard donc je mets les primes, je reste le temps, le tour que je voulais, les tours que je voulais en prime, et comme ça après j'avais des pneus options un peu plus frais, ouais. Pour finir la course à fond, ouais. Les soft avec combien à peu près de dixièmes de retard sur les super soft? À peu près. T'as une petite idée par rapport à ça? Peut-être 8 dixièmes. 8 dixièmes? Ouais. Il y a quand même un écart. Hein. Entre 6 et 8, je pense. Ouais. D'accord, ok. Oui, c'était pas. Après, bon, c'est... Pour moi, c'est pas énorme. Après proportionnellement à l'essence, l'écart est un peu plus grand. Hein, parce que. On te voit rentrer au stand un tour plus tard. Parce que. Disons que la voiture réagit bien entendu autrement. Avec de l'essence et sans essence, hein. Donc voilà, il y a aussi ce paramètre qu'il faut rentrer, qu'il faut prendre en compte. Donc arrêt au stand, tu mets les primes cette fois-ci, enfin les softs plutôt, les primes c'est bon bref, les pneus à bande de jaune, hein, on va faire ça comme ça. C'est les primes. Ouais bon, on discute pas, ça suffit. Régis en tête, ah Narvalo donc. Stratégie décalée qui n'a pas fonctionné, mais c'est plus sur le moyen terme, comme tu as pu le dire auparavant. C'est pas pour maintenant. Tour 33, on te voit donc 3ème et restart 4ème, Narvalo 2ème, Régis 1er qui doit être en prime et qui va sûrement. Non, elle est encore en option. Régis. Elle est encore en option, tant pour moi. Lui, par contre, il a vraiment rallongé ses options. Quoi. Bah, Régis, ce premier arrêt, il s'était arrêté un tour après nous. Ouais. Donc là, je pense qu'il va faire pareil. D'accord, ok. Il avait fait 16 tours, 16 et 16, 32. Là, tour 33, bon, un tour de plus. Ouais, d'accord. D'accord. On te voit avec... Alors, par contre, est-ce que la voiture réagissait bien, justement, avec ses primes ou elle était un poil sous-vireuse Un poil sous-vireuse, j'ai toujours eu plus de mal avec les pneus plus durs avec la Ferrari. Ouais. Je me sens toujours moins à l'aise. Même quand c'est genre des jaunes, des... Enfin, quand c'est des jaunes, n'importe quoi. Quand c'est des softs, des médiums ou des hards, t'as toujours ce ressenti de sous-virage. Voilà. D'accord. Enfin, bizarrement, avec les médiums, peut-être un petit peu moins. Je le ressens un petit peu moins. D'accord, ok. Ouais. Après, c'est sans doute... dû au réglage que tu peux apporter Ouais, la pression des pneus, je pense. Aussi ? D'accord, ok. Et là, donc, on voit qui c'est qui prend un tour. C'est Raikou qui prend un tour, qui a toujours pas dépassé Oxide, d'ailleurs. Important, ça fait un petit moment qu'il est resté derrière. Raikou, fair play, carrément en dehors de la piste, qui te laisse passer. Oxide qui va en faire de même, mais pas en dehors, par contre. C'est bien, déjà. Donc voilà, et il laisse cette bataille perdurer. Bon, une bataille à distance, faut bien l'avouer, Klaus, hein. C'est pas aussi spectaculaire, mais au moins, on a des choses à dire.
pour. Ah mais bon, au moins on a la vision du pilote de devant, quoi. Exactement. Pas comme s'il y avait 5 secondes. Ah, il est Terrible. juste devant, là, Il y une a juste seconde une et demie. seconde 136, quoi, et tu peux toujours pas dépasser, mais sinon c'est pas grave. Hein, il n'y a pas de. Toujours pas de spectacle. On peut pas compter sur toi. C'est important, champion du monde et tout, nanana, mais non. Tu voilà, Ah pas mais lui c'est de. un triple champion du monde, hein. Mais je veux pas le Figure-toi. savoir. Tu vas le dépasser. Le Écoute, si t'es mec, pas tu sais, qui content, va pète un commenter câble. avec Virtual Driver et casse pas les pieds. Ah Nous, on fait ce qu'on peut. bah tu m'étonnes, les autres, surtout les pilotes vont me dire ouais, mais on fait ce qu'on peut, on essaye de. Tu vois, on essaye de. Oui, mais non, mais le spectateur il veut pas ça, le spectateur il veut du dépassement, des accidents et tout ça. Tu vois, il veut une régissade, il veut une. Tu vois, enfin. Tu comprends? On se calque sur la vraie F1, c'est moins spectaculaire qu'avant, mais Ah, voilà, c'est c'est plus malheureusement, spectaculaire c'est qu'avant. pourtant c'est pas le bon Voilà. exemple à prendre, hein, mais enfin bon. Ouais, mais Régis bon. a fait son arrêt, autant pour moi, je l'ai pas Ouais. vu. J'ai pas, je sais pas, c'était sur ce tour-là ou c'était sur le tour d'avant, Je je ne sais sais pas. pas. Je sais pas, j'ai J'ai pas pas fait fait gaffe non gaffe. plus. Ouais. Régis donc qui retrouve la troisième place et qui assure un doublé Ferrari. Sans la victoire, mais un doublé quand même. C'est toujours bon à prendre, notamment pour le classement constructeur. Par Ah, rapport Ferrari au. revenu dans ses échappements. Oui, je vois ça. Et mais encore une fois, quand les pneus commencent à faiblir, tu remarqueras. Je trouve que. Enfin, en tout cas. Bah, il fait plus de quoi? Ça fait 5 tours qu'on les a mis, les gommes. Non, 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 ben non. Attends, ah oui, peut-être. Ah, t'as pas tort, effectivement. Ouh Oh, là 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 attention! là. Qu'est-ce qui s'est passé, Klaus, là? T'as été déventé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-moi, il y a eu un. T'as été Allez, surpris je par son pense. freinage? Est-ce qu'il a freiné plus tôt? On avait freiné comme il fallait, je sais pas, il a mis un petit coup de. Il a un petit peu ralenti dans le virage. En même temps, c'est un Je virage pense pas qu'il aussi. allait. Oui, mais bon, moi à partir de là, je lâche juste, après je repars. Lui, je pense qu'il a un petit peu mis un petit coup de frein. Ouais, donc tu penses que c'est du 50-50? Parce que au final, t'aurais Oui, pu. ça rien passé. J'ai bien géré le truc. Ah, tu te la pètes un peu, quoi. D'accord, je comprends. Bah, j'ai eu les bons réflexes, quoi. Ouais, bien sûr, bien sûr. La voiture s'était pas barrée. C'est tranquille. Ouais. Sur ces monoplaces 2015, en termes d'adhérence, elle est plutôt bonne ou elle est quand même encore assez précaire? Par rapport aux opus d'avant, je pense qu'elle est moindre que 2013, hein. 2013, c'était avant les moteurs Bah, on a hybrides. plus de sous-virage, quoi. Ah, vous avez quand même plus de sous-virage, malgré une propulsion beaucoup plus importante. D'accord. Bah, moi, je trouve j'ai plus de sous-virage depuis l'arrivée des V6. D'accord. Ça, c'est mon ressenti à moi. Bon, le Ouais. survirage, bon, ça, il est toujours là, toujours présent. Ça, c'est la Ferrari. Mais j'ai toujours, moi, maintenant, ce petit sous-virage qui me gêne. Ouais. Tour 40, on fait un petit tour des positions. Narvalo au premier, deuxième Klaus Coco, troisième Régis, quatrième Aerostart qui a su remonter, cinquième Oxide, Seb sixième, si j'ai bien vu, je sais plus, Je crois, oui, je sais plus. septième Raikkonen et huitième Carlito. Il nous reste 31 tours à suivre et la tendance est toujours que bah, Mercedes devant et Ferrari derrière, malheureusement. Ça va être compliqué. Je sens que ça va être compliqué. Il va falloir vraiment sortir un dépassement dont tu as le secret, Clouse. Il va vraiment bien se rapprocher, utiliser un maximum le DRS, l'aspiration et mettre un mélange riche à gogo. Hein. Et là, on te voit. Ouh! Pas beau ça, Narvalo. Pas beau du tout. Le petit décalage avant le freinage, c'est limite, je vais t'appeler Verstappen là. C'est pas bon ça. Bah, Narvalo il fait beaucoup de choses comme ça maintenant. Plus agressif au final. Freinage, Klaus Coco, extérieur. Ouais, trop extérieur malheureusement. Ça a pas passé. Pas super comme mouvement, je trouve. Pas top top. Côte à côte, on voit les pneus bloqués du côté de Narvalo. Toujours en tête, mais maintenant avec une longueur d'avance et non une seconde. Ah, on sent que tu vas essayer de croiser. Ça va pas être suffisant, quoique. Attention, on commence à avoir de l'animation. 41e tour. Narvalo qui se bat comme un beau diable, hein, malgré. Bon,
voilà, c'est ces petits mouvements un petit peu parasites. Il n'y a rien de bien méchant. Yep. Intérieur pour Kuzco. Un imparti pour le DRS. Bah, c'est, enfin, je trouve ces petits mouvements au freinage assez dangereux au final, hein, parce que ça peut provoquer carrément un accident pour les deux et ça restera fatal pour ces deux pilotes. On te voit revenir encore pour le freinage du deuxième virage. Et là, cette fois-ci, oh, ça bloque chez Narvalo, ça bloque terriblement. Là, il... Oh, attention, le vibreur. Ah, ça, c'est le problème de cette sortie de virage-là avec la Ferrari. J'arrivais pas à bien ressortir pour profiter du DRS et de la SPI. Ouais. Toujours ce survirage qui... Incroyable, du coup, et... Je pouvais pas tenir la cadence. D'accord. Là, bon, on est... On est pratiquement, on va dire, mi-saison. Est-ce que tu as des contacts avec d'autres écuries ou tu restes chez Ferrari? Tu connais... Je connais la chanson, oui, effectivement. Tu connais ma passion pour Ferrari, quoi, mon ami. Ah oui, non mais bon. Alors, on va attendre le freinage tour 43, le premier virage. On te voit le passer en DRS. Par contre, on te serre. Alors je sais pas si c'est fait exprès, mais pff, c'est vraiment une défense très très dure de Narvalo. Alors, on l'a connu un peu plus... Ouais, hop, on reprend l'intérieur. Très agressif Narvalo, très très agressif dans sa défense. Pour l'instant ça paye. Et il n'y a pas de problème, on va dire. Mais j'espère que ça va continuer comme ça parce que ça nous laisse quand même une belle bagarre, notamment... sur ce premier virage, hein, avec des gros freinages. Attention quand même, attention est là. Ah non, je pensais que t'étais passé. Attends pour moi. Côte à côte. Un grand classique, j'ai envie de dire. Un grand classique depuis... ça fait combien de saisons maintenant? Ça fait... on a la 16 depuis la même... Même la saison 11, quoi, quand j'étais encore chez Lotus, des fois on s'est un petit peu tiré la bourre. Ouais, notamment à Monza, n'est-ce pas? Ah, Monza, ouais, ne m'en parle pas s'il te plaît. Non, bah si, ouais. si, parce que bah si, on est. Hein, donc, si vous la regardez, c'est la saison 11 ou 12, je ne sais plus. 11, et bah allez voir Monza saison 11, et vous allez voir la même image, mais pas sur le même jeu, et pas avec les mêmes monoplaces. Mais c'est la même chose. La même chose, et avec. Même derrière. Ouais, et là pareil, côte à côte, deuxième virage. Ah, là, t'auras aussi une belle surprise à Monza après. Ah, ouais, d'accord. Sur cette saison là. Ah, oui, mais derrière, mais faut pas dire ça, parce que c'est. On est censé être, tu vois, on commente la course, genre c'est un grand résumé, tu vois. Là, tu t'as cassé tout le mythe, c'est pas bien, c'est vraiment pas bien ça. Justement, là, je mets la mise en haleine. D'accord, ok. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, on est au tour 44. Tour 44, toujours en bagarre avec Narvalo, toujours grand classique comme j'ai pu le dire. Par contre, je vois que deuxième secteur, t'as pas forcément l'avantage. Surtout, premier secteur et notamment cet enchaînement-là, le double droite, où tu reprends pas mal de temps sur Narvalo. Hein. Ouais, sur ce que je peux voir en tout cas. Hop, un petit décalage pour dire je suis là. Oh, attention Narvalo. Ah, ça y est, il est passé. Ça y est, alors, Oui, il a roulé tout simplement sur le vibreur. Puis il est parti en travers. Un grand classique. Et on se retrouve avec un nouveau leader, Kuzco, en tête. Combien de temps ça va durer? Je ne sais pas. J'espère le plus longtemps pour toi. 45e tour, donc il reste 26 tours. Oh, attention, on a Narvalo. On est bien d'accord qu'il y a eu touchette de Narvalo là. Bon, ça va, il y a eu. Voilà, il y a le fair play de Narvalo, on le connaît. Il n'y a pas de souci. Il a été un petit peu surpris sur le freinage, un peu comme toi au final tout à l'heure. Un petit peu surpris du freinage de Narvalo, ça a un peu tapé, t'es parti un petit peu en travers, mais il n'y avait rien de bien méchant. Et là on voit que tu mets la gomme parce que t'es à la merci de la Mercedes, hein. Tu sais que t'as un moteur un peu moins puissant que le sien et tu te mets en riche une bouchée, quoi. Ouais.
C'est compliqué de tenir sa place sur ce genre de circuit avec le double DRS. Ça va être dur. Ça va être très dur pour l'intérieur. C'est vraiment avantageux de rester à l'intérieur sur ce freinage-là. Comment ça? Bah là, par exemple, côte à côte, est-ce que c'est vraiment avantageux de rester à l'intérieur? Bon là, c'était pas à côte à côte, on est d'accord. Mais j'ai vu notamment Narvalo rester Quand à on a deux l'intérieur. fronts, Ouais. bah c'est avantageux. Si l'autre qui est à l'extérieur il freine tard, oui. Parce que du coup il perdra un peu de temps et il sera tout à l'extérieur, donc forcément tu perds du temps à Bien sûr, l'extérieur. mais s'ils croisent. Mais voilà, donc si le pilote d'à côté il croise, après t'as pas d'avantage quoi, parce qu'il ressortira mieux. Après tout dépend. Je sais que moi par exemple quand je me mets à l'intérieur, j'arrive à empêcher que les autres pilotes y croisent. Je reste vraiment à l'intérieur tout le virage quoi. Je vais pas à l'extérieur. Ouais. Je reste dedans exprès pour pas qu'ils puissent profiter justement de ça, du croisement. D'accord. Et là, on te voit quand même tenir un petit peu. Bon, attention, tu fais la même erreur. Tu fais la même erreur que Narvalo, 47e tour. Et là, par contre, c'est beaucoup plus grave parce qu'au final, tu perds bien 3, 4, voire 5 secondes. Et Ouais, j'ai on. même 3 secondes, voilà. C'est marqué en haut. Ça Allez, je vais l'aide. essayer de taper le rail légèrement. L'aileron a pas été touché, si? Non, non, non. D'accord. L'aileron s'en sort bien. Ça semble par contre fatal pour toi là. Hein. Voilà, ça me semble plus compliqué là. Ça va être très compliqué pour revenir sur Narvalo. Va falloir compter sur des fins de relais ultra rapides puisque les débuts de relais, bon bah la Mercedes est complètement à son avantage. Ça va être très compliqué pour toi, Klaus, malheureusement. C'est dommage parce que la bataille était belle, hargneuse mais belle et je sens que enfin, la victoire s'éloigne un peu plus. En tout cas, j'espère que tu vas me contredire et tu vas au stand. Ah, carrément, les pneus, t'es fatigué là pour le coup. Bah, il vient d'annoncer la pluie, donc Ah, ils annoncent la pluie, d'accord. Ils ont annoncé la pluie pour quoi? Pour dans un quart d'heure, un truc comme ça? ouais. D'accord, ok. Donc, pluie Donc prévue tu dans vois que 15 même Johan minutes. aussi s'est arrêté. Oui, d'accord. Voilà, ça, on a tous les deux le même réflexe. Bah, s'il va pleuvoir dans un quart d'heure, pourquoi rester en prime? Autant mettre directement les options et aller à fond, quoi. Par contre, Régis, lui, n'est Lui, pas il n'est pas rentré rentré. au pit. Hein. Ouais, Est-ce qu'il et se sent c'est capable là de où il tenir a. jusqu'à la pluie? Ah, justement, parce que c'est ce qu'il va tenter, je crois. Je Ouais. crois que c'est ce qu'il va tenter de faire, Régis. Alors il a. Ouh, qu'est-ce que tu nous Bah, en fais, fait, Klaus? le panneau, mon point de repère, et on l'a enlevé. Et quelqu'un a tapé dedans. Donc, du coup, j'avais pas fait gaffe et. J'ai Ah, freiné sur mais alors là, 50 mètres au lieu de 100 tu mètres. fais vraiment tout pour pas essayer de gagner, hein. C'est pas possible ça, hein. Bah, je sais pas qui c'est qui a tapé le panneau 100 mètres, donc Ah, puis voilà. ça fait un gros bruit de blocage de roue là. Les quatre fers plantés dans le bitume. T'as failli nous défoncer le bitume là pour le coup. Petite publicité pour un ami du réalisateur. Hein, n'hésitez pas à aller voir son Facebook s'il faut. Kouskoko 3e, Narvalo 2e, 1er, Régis. Et on se retrouve tour 50. La pluie n'est toujours pas arrivée. Oui. Bah écoute. Ah, par contre, on voit les nuages arriver. Hein, au niveau de Ah, la c'est un montagne. petit peu assombri. Ouais. Aerostart, meilleur tour en course. 1:09:517. Et on voit Narvalo à l'approche de Régis. Donc, comment ça, plus 2? Il y a l'écart qui déconne, c'est pas possible. Oui, déconne. D'accord, ok. Narvalo détient le record du plus grand nombre de podiums sur une saison. J'ai envie de dire. Ouais, bah il nous l'avait prouvé aussi la saison 14, 13, je ne sais plus. 14, 14? Ouais. Non, 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 quoi, non, non, non. Quand il était encore chez Red Bull, il y avait. Avec la bataille pour le titre entre toi et Flo Alonso et lui,
Il y avait vous deux, Flo et toi, qui enchaînaient les victoires, et lui qui enchaînait les podiums. Et d'ailleurs, grâce à cette régularité, il a failli espérer au titre. C'est pas ça? Non, non, non. Ah, putain, on voit qu'il dépasse Régis. Oui, effectivement. Tu fais bien de le dire assez facilement, hein, faut bien l'avouer. On sent que les pneus sont bien fatigués chez le pilote Ferrari. Je vais aller regarder mes fiches, je vais aller voir. Je vais te dire ça. Va voir ça. Parce que moi je crois que aussi il y a une saison où aussi j'avais fait que des podiums, mais je crois qu'il y avait que 19 Grands Prix. Ouais, bon, déjà 19 c'est pas mal. Alors, Narvalo 14, voilà. En tête, 51ème tour. Situation complètement gérée pour le pilote Mercedes. Qui espère enfin la première victoire. La saison 12, non. On n'avait pas fait la saison entière. Régis, deuxième, troisième, plus coco. Ne vous référez pas aux écarts, hein, bien entendu, des écarts un petit peu. Qui déconnent, hein, tout simplement. Hein. Donc, ne faites pas attention. Bah écoute, bah, ça arrive souvent, ça. Ça, c'est une horreur. Alors, tour 51. Donc là, on voit par exemple sur ton image que le ciel est quand même un peu plus gris que sur la caméra de Narvalo. Hein, des effets de lumière, c'est pas. Mais on voit quand même que la pluie va arriver. Hein. On sent que c'est quelque chose qui devrait être sûr à 100% là. Hein. Deux. Qu'est-ce que tu dis ? Non, rien. Je parlais de la météo pour nos spectateurs, téléspectateurs, même s'ils ne regardent pas ça sur une télé, mais c'est pas grave. Aerostart, quatrième. Klaus Coco, troisième. Régis, deuxième. Régis, voyons voir Régis. Régis, meilleur résultat, c'est une quatrième place. Il n'a pas encore fait de podium, Régis. C'est bon à prendre pour lui. Il va falloir qu'il tienne le podium. Deuxième ou troisième, pas très grave. Il va profiter de l'absence de Gaëtan pour... Non, si, de l'absence de Gaëtan pour essayer de grappiller quelques points. Alors, est-ce qu'il va jouer l'équipe ou pas du tout? Eh ben, j'ai l'impression que pas du tout. Je me trompe? Je sais pas, je vais regarder mes fiches. Ah, t'es encore dans tes fiches. Eh ben, dis donc. Bah, ouais. Écart. Alors, on voit ça. Les écarts entre Narvalo et Klaus. On te voit récupérer un tout petit peu de temps sur Narvalo. Mais. Oh, attention, Régis! Ça t'a un petit peu tapé, j'ai l'impression. Oui. Côté Ferrari. Oui, c'était ma fête, c'est un peu surtout. Oui, non, mais je suis d'accord. Bon, après, je ne veux pas savoir de quel bord tu es, mais il n'y a pas de problème, Klaus. Il n'y a aucun souci. On a vu l'écart qui a apparemment été rétabli. Après, je crois que tu as 4 secondes de retard sur Narvalo. On va aller voir ça au prochain intermédiaire. Je confirme, hein, c'est bien saison 11 que Johan a fait des podiums à tous les grands prix. Ah oui, non, mais j'ai pas, non, mais je dis pas le contraire. Je disais juste que j'avais une saison qui avait marqué de par aussi cette même régularité, notamment face à deux prétendants qui sont toi et Flo Alonso. Par contre, attention, Klaus, oui, tu rates encore une fois. C'est la petite petite bourrelet. Eh ben, c'était la saison 13, ouais, exactement. Où... Voilà. Que ce soit moi, Flo ou même Johan, on avait fait énormément de podiums. Ouais. C'était vraiment trusté entre ces trois pilotes. Régis qui avait réussi à arracher une victoire à Spa de manière magistrale aussi, je m'en rappelle. Très très belle course commentée par Paxen. Le Grand Prix de Singapour aussi qui était vraiment énorme. M'en parle pas là. Ah bah si, je t'en parle encore une fois. Tu t'es raté, t'étais en tête tranquillement et tu t'es raté. Par contre, c'est moi ou on voit la pluie là? Je vois des traces de la carrosserie. Les gouttes qui glissent sur la carrosserie. Oui. Non mais c'est surtout sur la piste que je vois ça. Je vois qu'il y a juste une seule trajectoire sèche et le reste, j'ai l'impression que la piste est mouillée. Vous nous excusez, on a une qualité un peu moindre que vous aurez au moment de regarder cette course, ce long résumé.
On est tour 57, donc enfin maintenant tour 58, là tour 61, voilà. On va pas. On va commenter ces 10 derniers tours sous la pluie donc. En Autriche, il pleut, et oui messieurs, il pleut, et on va voir s'ils vont tenir avec les pneus option ou s'ils vont changer les pneus. Apparemment ils vont changer les pneus, d'après ce que tu as ordonné à tes mécanos, Klaus. Ouais, parce que là la piste elle commençait vraiment être mouillée. Donc en plus les gommes ça fait à peu près 15 tours qu'on les a, un petit peu moins, ouais, donc ouais. Il serait peut-être temps de passer en intermédiaire. Mais il y a enfin, même s'ils sont pas du tout conçus pour la pluie, il y a véritablement une différence d'adhérence entre des pneus usés et des pneus neufs sous la pluie. T'as pas fait bah le oui. test quoi. Bah oui. Bah, non mais je sais pas. J'ai pas réellement fait le test, mais je pense que ça me paraît logique que oui. Déjà sur le sec, tu ressens une grosse différence. Alors si la piste elle est mouillée. Enfin moi pour moi que ce soit que ça neuf ou usé. Ça glisse quoi, je veux dire, je vois pas la différence, c'est ça que je suis en train de te dire. Ouais, ça glisse un peu plus. D'accord. Après, tout dépend si la piste elle est, comment elle est mouillée, si c'est une petite pluie qui vient de tomber depuis de un ou deux tours. On voit un avertissement de 5 secondes ou c'est. J'ai vu sur la liste des avertissements, il y a écrit 5 secondes pour Narvalo. C'est 5 secondes après la course ou ça a été fait pendant les stands, c'est comment ça se passe? C'est 5 secondes après la course. D'accord, et ça c'est officiel ça, Klaus. Bah je sais plus parce que c'est pourquoi les 5 secondes. D'accord, bon, on va voir ça. On t'a vu mettre les intermédiaires pour les 9 derniers tours. On a vu aussi Régis te passer. Narvalo qui est dans la ligne droite. Voilà, ouais, celle-là. Les intermédiaires qui. Tiennent pas super. Je crois ils vont pas accrocher tout de suite. Peut-être faire la connerie de rentrer très tôt. Ouais, tu penses? Ouais. Bah après, c'est, ouais. Ça peut le faire, étant donné que... Ça peut marcher. Oui, ça peut marcher, parce que ça se trouve, les pilotes devant toi vont aller au-delà de la limite et vont aussi se rater et vont mettre les intermédiaires trop tard, pour le coup. Donc, tu penses que quand même, t'aurais dû attendre un ou deux tours de plus, quand même, malgré tout. Ah, j'aurais dû attendre justement le tour où Johan aurait pité, bah oui, comme ça je me calcule sur lui, c'est ce que j'aurais dû faire. Régis, on voit Régis, lui pareil, il n'est pas rentré au stand. On est tour 63, tour 64 même, autant pour moi, et on voit Narvalo mettre les pneus intermédiaires. Alors est-ce que il les a mis trop tard ou pas? On va voir ça tout de suite. Là on voit c'est qui est derrière. Voyons voir. Là c'est Seb. Là c'est Carlito. Ouais, donc. Pari réussi pour Narvalo. Régis toujours deuxième. Hein. Régis toujours deuxième. Ah, il s'est pas arrêté Régis. Régis carrément pas arrêté. Attention Narvalo, petit freinage un petit peu compliqué, on voit pas mal d'eau sur le vibreur, notamment au passage de la monoplace de Carlito. Allez, virage 3, on passe ça tranquillement. J'ai pas vu l'intermédiaire par contre, je sais pas si t'as fait attention par rapport à Régis. Bah, de toute façon, l'intermédiaire est pas bon. Donc... Ah, si, il était rétabli justement. Je voulais. Non, moi j'avais vu beaucoup. Ah bon? Ah oui, effectivement. Autant pour moi. Autant pour moi. Mais écoute pas. Je suis désolé. Voilà, écoute-moi un peu. Non, mais ouais, mais non, mais tu écoutes, ça serait une véritable hérésie. Hein, les gens ne te connaissent pas, donc. Mais ils savent que. Enfin, moi je sais que. Voilà. Faut absolument pas t'écouter, ce serait une erreur. Ah bah tu me connais pas non plus. Bah si, je te connais. Tour 71, bah tout simplement. Dernier tour, pas de suspense, malheureusement. C'est bien dommage parce que la pluie en général, ça donne toujours un petit peu de piquant à la course, mais là, il y a vraiment rien eu, notamment même derrière. Je crois que je suis assez loin de Narvalo maintenant. Ouais. Ah, je crois que je suis vraiment loin, je crois que je peux être même à 30 secondes de lui, je crois. Ah, carrément, à ce point-là. Ah oui, à ce point-là.
Ah non, tu es à 5h39 et 40. Non, mais oui, t'as bien. Non, t'as un peu moins de 30 secondes quand même. T'as 10, allez, 10 secondes, moi je dirais 10-15 secondes entre lui et toi. Régis, donc 3ème, 4ème Aerostart. 5ème, ce doit être Seb. 6ème, il doit être devant nous, ça doit être Oxide. C'est Oxide, et sixième, si je vois bien, c'est en 6, ouais. Voilà. 7ème, Raikou. Et 8ème, Carlito. Donc je pense que les places sont figées. Avant-dernier virage pour Narvalo, il va gagner ce Grand Prix d'Autriche plutôt Ouais, par poids facilement gagné. malgré la belle bataille avec Kloos Kooko. Voilà, victoire Mercedes, encore une fois, hein, l'écurie Mercedes qui domine littéralement ce championnat Team F1 devant les Ferrari de Kloos et de Régis. Quatrième place d'Aerostart et cinquième place de la Red Bull. La hiérarchie a été respectée sur ce Grand Prix, encore une fois, malheureusement. En espérant que ça puisse changer lors des prochains Grands Prix, je l'espère. Là, on voit À Régis voir. Aerostart finir cette course. Il n'y a pas de grand enseignement à tirer de cette course, hein, malheureusement. Ça reste du grand classique. Hein. Et on sent que les solutions, il n'y en a pas beaucoup face au Mercedes. Tant les pilotes sont d'un niveau qui est très bon, et puis un moteur qui reste le moteur numéro 1 sur ce plateau cette année. Le moteur de référence. Et là, on voit Aerostart finir quatrième. Voilà. Donc on voit ça, le podium, Narvalo, Kloos, Régis, en l'absence de Chronique, hein, faut quand même pas oublier, hein, Chronique qui a été absent sur cette course. Ouais, donc je pense que ça présent, je pense qu'il aura dominé la course. Ouais, donc bon, de toute manière, que ce soit Chronique ou Narvalo, ça reste une Mercedes à la première place du podium. J'espère que vous allez trouver quand même ces solutions pour pouvoir gagner au moins une course cette saison parce que Mais il avait gagné ça. une course à Monaco. Non, non, je te parle des Ferrari là. Ah, d'accord. Oui. On répète encore une fois, Narvalo en tête, Kloos-Kooko, deuxième, troisième Régis, quatrième Aerostart, cinquième Seb, sixième Oxide, septième Raikou, huitième Carlito. On a bien vu, hein, la pénalité de 5 secondes. Donc au final, tu échoues à 7 À 12 secondes secondes. 7. À 12 secondes au total. Ouais, de Avec la pluie en Narvalo. fait. 4 arrêts Moi je. sur cette course. 4 arrêts. Oui, avec la pluie. 6 pour Aerostar et Seb. Ouais. Et 3 pour Carlito, mais ça n'a pas suffi. Il a quand même 3 tours de retard sur le leader. Oh, Bah, zut. malheureusement, la voiture y joue beaucoup aussi, hein, faut l'avouer. Raikou 2 tours aussi, ouais. Ouais, Oxide, pareil. Oxide qui, je crois, fait son meilleur résultat, sixième, non? Je crois. Sixième, je crois aussi que c'est ça. Ouais, classement Je crois, je général. crois. Classement général de la course chronique. De la course du championnat, autant pour moi. Chronique, 140 points. Kouskouko 123 qui revient à 17 points. Narvalo 114. Régis 67. Gaëtan 5ème 56, donc il perd une place. Aux dépens de Régis, Mostrit qui était absent 54, Seb 40, Eurostart 33 qui essaye de remonter un petit peu la pente, Oxide 9ème, 10ème Raikou, 11ème Carlito et le dernier Rockstar 6 points. Donc un Quoi? classement de quoi? Non, je sais pas, t'as dit quoi? Points pour Rockstar, voilà, tout simplement. Et tu vas me dire maintenant le classement team, s'il te plaît? Bah, sans surprise, Mercedes première, hein, C'est avec pas vrai. 200. Ah, ça t'en bouche en coin, Ah ouais, c'est dingue. hein. Devant les Ferrari, avec déjà 64 points d'avance, après les Ouais. Williams, troisième. Quatrième Red Bull, cinquième Force India et sixième Toro Rosso avec Voilà, 27 points seulement. encore une fois, la hiérarchie des écuries a été respecté. Prochain Grand Prix, c'est Silverstone, hein, Silverstone, ouais, c'est ça.
Grand Prix qui t'a pas toujours réussi, Silverstone. Il m'a jamais réussi ce circuit. Tu as déjà gagné? Non. Jamais non, gagné. Je sais, bah, c'est je sais même pas si j'avais déjà fait, si j'ai déjà fait un podium sur ce Grand Prix. Eh ben, ce sera l'occasion d'essayer de gagner sur cette course. Non, non, pas avec les Mercedes. Hein. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Très bien. Écoute, Klaus, je te remercie en tout cas de ta présence pour ces commentaires. Merci à toi de la disponibilité. Bah, merci, hein, en espérant que cela vous a plu. Donc, dès le prochain Grand Prix Silverstone. N'hésitez pas à partager, à vous abonner à la chaîne Team F1 TV. Ça récompensera notre cher Olivier qui est au montage et à la réalisation. Voilà, et on vous souhaite tout simplement une bonne journée ou une bonne soirée. Tout dépend à l'heure où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao. Ciao.